Salut à tous, c'est Lara. Et Steph, et aujourd'hui on continue notre let's play avec l'épisode numéro 1. Parce que le premier c'est la présentation, épisode 0. Sur Call of Juarez, The Cartel, la campagne en coopération à deux. Avec Lara et moi, bien sûr. Et avec Monsieur Barack Obama, qu'on reconnaît très bien là. Non, je plaisante, c'est. Comment il s'appelle? Il s'appelle Eddie, voilà. Il s'appelle Eddie, et il a un masque, on dirait Barack Obama. Et un joli sourire. Voilà, des jolies dents bien propres. Donc, là, ici, on est dans le lobby de la mission, là. C'est pour ça qu'on est dans un truc champêtre, avec des oiseaux qui volent. Enfin, là, c'est plutôt des aigles ou des trucs comme ça. Il y a On des. a aussi un poster d'une femme. Voilà, c'est de la pub. Enfin, de la fausse pub, hein. C'est une marque qui n'existe pas, je suppose. Donc voilà, on est dans une forêt champêtre, là, voilà, pour le lobby de la mission. Et avant de commencer vraiment notre let's play, on voulait faire passer un petit message. Je te laisse passer le message. Elle a oublié son texte. On veut remercier les gens qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. C'est sale. Je sais Oh, mais faut pas se déconcentrer comme ça là. Et attends, on veut remercier. On Attends, veut j'ai oublié, remercier. ouais. Bah, on remercie qui? On remercie les. J'ai dit remercier, au lieu de remercier. On voulait remercier les gens qui se sont abonnés. Non, on voudrait. Bah non, attends, je te le fais et après tu me dis. Alors voilà, on tenait à vous faire passer un petit message. Comme quoi. Non, c'était pas ça le message. Hein. Non, comme quoi. À l'heure où nous filmons cette vidéo-là. Là, présentement, à l'instant présent, à l'instant T. Non, on n'est pas au plafond le T. En fait, à cet instant-là, on a 4 abonnés sur la chaîne et on tenait à vous remercier, vous les 4, à vous être abonnés et à nous soutenir. On vous dit un grand merci. Oui, merci beaucoup. Spécial dédicace à vous. Big up. Non, je rigole. Non, enfin, si, oui, dédicace à vous, quoi. C'est gentil de votre part. C'est gentil à vous. Merci à vous. Et de nous soutenir aussi. Et de nous soutenir, oui. Merci. Ainsi, je sens que c'est toi qui vas le dire, ça. Ah mais c'est bon, on va la garder celle-là. Ouais, on va couper ça avec un peu de montage, mais ça devrait passer. Non! On va couper toutes les parties où tu bafouilles. Oh, qu'est-ce qu'on dit? Et salut à tous, c'est Salut à Steph. tous! Et Lara! Et aujourd'hui, c'est un let's play sur Call of Juarez. The Cartel. Cartel. Vas-y, parle-moi, raconte-moi ta vie. Alors, nous avons une jolie voiture, elle est noire, c'est un 4x4. Oui. Après, nous avons plein d'autres voitures. Oui. Tu peux les péter là, c'est bon, on s'en fout maintenant. Peux les péter? Ouais, maintenant tu peux les péter. On va le péter les voitures! Allez, on y va, on y va, on y va! Allez, c'est la fête! Ah ah! J'adore ça! Oh! Oh! Et oh! Couleur, bah, non, 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 t'es plus ma voiture! Vite, 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 avant qu'il pète! Il y en a une autre, je crois, par là. T'es sûr? Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas, je crois. Ouais, elle est là-bas. Tu peux pas aller trop loin. Ah, tu t'es fait avoir. Ah, c'est très drôle, hein. Oui, c'est très Bon, allez. drôle. On est toujours en test, au fait, merde. Putain, ça rame un petit peu là. Alors, est-ce qu'on m'entend bien si je parle comme ça? Est-ce que si on m'entend pas trop fort quand je parle comme ça là? Oui, là on va le tuer, oui, on le tue, Non, ça va. Oui, mais bon, toi tu m'entends bien. Est-ce que le test son m'entend bien? Réponds-moi, Oui. le test son.
Oui, on entend bien, oui. Bon, d'accord. Alors, je vais faire pause de test de son et je vais regarder. Appuie. Hey, salut à Salut tous. à tous! Voilà, on est dans le test double écran, double vision, double technologie, double puissance et double tout. Est-ce que ça lag chez toi? Non, pas du tout, non. Pas du tout, non? Même pas un tout petit peu. Ça a pas lagué à partir du moment où t'as appuyé sur F9. Non, même pas, non, il n'y a rien. Ça laguait déjà comme ça avant? Bon. Alors, est-ce que toi tu m'entends bien au niveau du son? Je t'entends bien au niveau du son. Est-ce que tout le monde, la foule en délire, m'entend bien au niveau du son? Je pense que tout le monde t'entend bien. D'accord. Eh bien, ma foi, c'est parfait. On va stopper le test son et checker un petit peu tout ça. Je pense qu'on. Design ici, hein? Moi je vais habiter ici. J'aime bien. Par contre, lui, enfin, il faudrait. Il y a un petit peu trop de fumée ici dans la zone, tu vois là? Regarde. Ça va? Regarde, tu mets-toi dans le coin, regarde vers la porte là-bas. T'as vu toute la fumée que ça fait là? Attends, j'ai pas vu. Là, tu vois? Ah, Et j'aimerais oui. pas habiter dans une maison où il y a tant de poussière comme ça, hein. Surtout que les meubles, ils sont un peu crado quand même, hein. Ouais. Puis bon, enfin, y a un grand lit et puis quoi, il y a juste. C'est une chambre d'hôtel, ça, tu vois, c'est même pas une maison, quoi. C'est même pas où est-ce que tu peux bouffer, quoi. Bon alors, c'est la fin du test son, alors tu vas te préparer à appuyer sur la touche magique F9 quand je te le dirai. 3, 2, 1, maintenant. Voilà, là je lance la vidéo. Donc, on disait donc Orc Must Die, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, un Tower Defense. Une action. Un jeu, voilà, un genre de Tower Defense. Où voilà, vous avez les orcs qui font le chemin de cette petite ligne bleue là. Voilà, qu'on voit là. Cette petite ligne bleue, en fait, ils font ce chemin là, à peu près. Hein, il y en a des plus gros, des plus petits. Et donc, leur but, c'est de passer tous dans ce gros machin là. C'est un portail qui mène on ne sait où. Bon, enfin, si, on sait, mais on s'en fout. C'est pas important. Donc, ça mène dans un portail. Et donc, il faut les éviter qu'il y en ait qui passent. Il faut éviter qu'il y en ait 30 qui passent. S'il y en a 30, vous avez perdu. C'est facile, hein. Sur le papier, l'objectif est simple. Mais c'est pas si facile que ça, finalement, hein. Parce que les orques, eh ben, ils sont pas venus tout seuls, ils sont plutôt nombreux, ils sont plutôt chiants, ils sont plutôt tous différents, et il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, il y en a beaucoup qui sont pas bien, il n'y en a pas beaucoup qui sont bien. Et voilà, là on me pose des pièges qui ne servent à rien parce qu'on n'est pas en vidéo. Donc, enfin si on. Non mais oh, je te trouve le cul, oh! Regarde, moi je vais dessus, ça me fait rien, tu vois. Parce que moi ça me gèle pas. Ah, non mais vas-y, vas-y, dis-moi, 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 dis-moi. Sinon je te spamme là. Tu vois, je te spamme le cul là, tu vois. Oh, salaud! Tiens, 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 prends ça. Tiens, coquinette. Tête de citrouille. Prends ça là. Oui, tête de citrouille, ouais. Sorcière, sorcière, sorcière. Sorcière sexy, pas une citrouille qui ressemble à une citrouille. Non mais moi j'ai une citrouille sexy. Enfin, une citrouille en feu, attends. Est-ce que c'est pas la classe ça? Est-ce que je suis pas la plus jolie des citrouilles du coin? J'ai failli tomber dans la lave. T'as failli tomber dans la lave. Ah ouais, il y a de la lave. Ah, je peux pas te pousser. Si, je peux Ah, pas te pousser. chier. Je peux pas te pousser. Non. Bon, mais tant pis, ça ira, c'est tout. Bon, allez, merci à tous, au revoir. C'est parti. Bon. Bonjour, c'est moi qui vais faire la vidéo toute seule, oui. Il y a Monsieur Tartiflette qui est avec nous. C'est moi, Monsieur Tartiflette. C'est moi le boss dans le jeu. Lui. Rien. Vas-y alors, mademoiselle banane, parle-nous du jeu. C'est un jeu. Merci, merci. Bah alors c'est tout pour aujourd'hui, hein. À vous les studios, nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo dans une autre année. Peut-être pas l'année prochaine, on verra. Salut à tous. Salut à tous, c'est Lara. Et Steph. C'est à moi maintenant, d'accord. Et aujourd'hui, on va vous commencer en fait un petit let's play, enfin un petit let's play sur le jeu Resident Evil Opération Raccoon City. Alors en coopération à deux bien sûr, hein. Mais bon, on n'est pas trois, on n'est pas quatre, on est deux. Donc encore en version à deux. Et puis ça ira pour le test. Merci à vous, merci d'être venu. À la prochaine pour la suite du let's play. Pourquoi je suis en ligne? Dis-moi. Dis-moi. Ça va bien ou pas? Mais j'en sais rien. Dis-moi. Ça, je t'attends pas.
deux fois. Sérieux? Là, c'est sûr. Vas-y, parle. Oui, donc, alors nous sommes aujourd'hui pour faire un épisode, une vidéo, épisode, une épisode, une vidéo, d'une vidéo, d'un épisode, qui nous parle d'un jeu, qui est un jeu, qui est un jeu, qui est un jeu. Qui est un jeu comme ça. Non, j'attends un temps de micro, c'est un peu. Ah oui? Bon. Mais c'est pas grave parce que je m'en fous, parce que moi je l'entends pas. Alors c'est pas grave. je veux rigoler. Oh, il est machiavélique. Mais dans la vidéo, ça va pas. Non, ça s'entend pas. Non, la vidéo, ça va faire un 2, un 2. Et ça va faire un écho. Mais ça, je te jure que j'entends un écho. Hein. Vas-y, je parle dans ton micro là. Tu veux que je te parle dans le micro et t'écoutes le casque, je te jure, ça fait trop bizarre. Alors attends, deux secondes. Là c'est bon, j'ai lancé le test son, vas-y raconte moi ta vie. Ben aujourd'hui j'ai mal au conduit, j'ai calé quand il y avait une pentecôte. Et... une pentecôte. Oui. Et j'étais en troisième et j'arrivais pas à... Rappelons bien que Lara est en train de passer le permis de conduire. Courage Lara, tu vas bientôt la voir. On espère. Tous. Bon, allez, fin de cette leçon. Bon, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tu as fait pause dans ta ville? Oui. Tu as fait pause dans ta ville. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. Eh ben, ça va alors. Combien on est? 4-4. Au niveau du spécialisation. Ah, je peux faire le siège pétrole. Non, j'ai même pas vu. T'as combien de sous? 59 000 et quelques? 18. 18. Ah, t'as dépensé des sous alors? Ben oui. Pour construire. Ouais, pour agrandir l'hôpital. J'ai presque 22 000, moi. Par contre, regarde, j'ai des grosses maisons de richesse, moi. Viens, viens voir. J'en ai, moi, si je crois. J'en ai construit. Même des terrains de tennis dans la maison. Et d'un côté, je sais pas si c'est bien, tu vois, d'avoir des maisons de richesse comme ça, parce que la densité est pas élevée, donc du coup, en fait, il n'y a pas grand monde. Là, voilà, là, la densité est plus élevée, mais le terrain vaut rien. Donc du coup, là, il faut que je fasse un parc par là, quoi. Bon, allez, c'est tout pour le test. T'es obligé. Oui, oui, mais là, on est en test son. Là. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ah, et moi, est-ce que je t'entends bien? Oui, je t'entends bien. Vas-y, parle-moi. Oui, je t'entends bien. Ah. Je te dis depuis tout à l'heure que je t'entends bien. Oui, c'est pour être sûr. Je t'entends bien. Non, merde, j'ai foutu un coup de langue sur le micro. Aïe. Bon, quoi, j'ai des problèmes d'électricité? J'ai un déficit électrique, vous foutez de ma gueule. Ezio, il dort, moi ça va. Ça va tranquille. Vous foutez de ma gueule. Non, mais Ezio, pourquoi tu dors encore? Bon, fin du test son. Chut. Et on est de retour pour le test son, le test son, le premier, j'avais oublié de lancer Fraps. Donc, du coup, c'était sûr que ça n'allait pas marcher. Bon, est-ce que tu vas bien toujours? Oui, ça va, ça va. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête à sniper? Hein? Est-ce que tu es prête à sniper? À tailler? À sniper! Ah, à sniper, oui. Oui, oui. À tailler. Est-ce que Ruby, tu es prête à sniper? Oui. T'appelles pas Ruby, toi. Bon, voilà. Bon, je vous dis que c'est tout pour le... Je suis prête à sniper. Bon, ben voilà. Hein, je savais pas que Ruby savait parler comme ça. Tant pis. Bon, allez. Fin du test son. Carrage à vous. Son. Alors, est-ce que là, si j'appuie sur F9, comme je viens de faire, est-ce que là, on m'entend bien? Est-ce que ma voix passe bien? Attends. Hop. Et est-ce que ta voix aussi passe bien? On verra. On verra, mais vas-y, parle, parle. Je suis en tête. Bonjour à tous. Ruby, n'appuie pas sur les touches, bordel. Je déteste quand tu fais ça. On m'a fait ça hier aussi. Quand j'appuie sur ça, est-ce que ça fait pas trop de bruit? Ouais, c'est agaçant, hein. Mais pas ça, hein. C'est agaçant. Bon. Ça y est? Attends.
T'es pas fatigué, dragon, de voler comme ça? Non, non, c'est un dragon, c'est son boulot. Qu'est-ce que tu fais, Ruby? Tu m'appuies encore sur des touches, bordel. Elle veut jouer. Je m'en fous. Alors, si je fais ça maintenant. Ah, ça a l'air d'aller mieux comme ça. On va voler un petit peu. Enfin, je vais voler un petit peu pour regarder. Wouhou! Miaou! Et on va passer le balai. Passe le balai. C'est trop énorme. Tu me vois pas quand je recule? Regarde comme ça là. Ah oui! Je lance le balai avec mon cul là. Ah, on fait la vidéo là. Alors t'es où? Reviens à mon niveau là. Je suis en haut. Descends un peu. Un peu hein. T'es où? Ah, regarde le dragon qui passe là-haut. Il a les ailes roses. Bon alors, c'est tout pour le test son. Alors je vais aller checker ça vite fait. Vite fait. Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Skyrim. Alors on va continuer notre histoire et là on est dans le test son. On est juste dans le test son, donc je me suis emballé pour rien. C'est juste pour voir si ma voix colle bien pour le moment, si ma voix va bien. Donc je vous avoue j'ai un petit peu mal aux dents, donc si jamais une fois je m'arrête je fais oh, vous savez que j'ai mal aux dents. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Bon, peut-être trop de sucreries, de trucs comme ça, c'est possible, c'est possible. Bon voilà, fin du test son. Alors là, on fait un test son. Alors on regarde un petit peu si ma bien colle, si ma voix colle bien, si on voit bien mon ami Lydia qui s'amuse à patauger dans la flotte, et si on voit bien ce joli graphisme, que c'est tout beau, c'est tout joli. Hop, enfin regarde, je me prends le soleil dans la gueule. Ah, je m'éblouis. Hop, cette jolie forêt noire là, dis donc, elle est. Vachement sombre et tout, je trouve que c'est vachement classe, ça fait très très joli. J'aime l'effet, j'aime l'effet. Oh là-bas on voit la fin de bord de ciel, comment ça se fait? Ah mais c'est Vendôme là-bas. Il y a de la neige et il y a Vendôme. Je connais pas Vendôme, je suis jamais allé. Faut dire que j'ai pas mal joué, mais j'ai pas mal promené, mais j'aime bien cette forêt là sombre. What? On va essayer d'aller chasser le Spilodon. Non, j'ai rien dit. Pourquoi il n'y a jamais personne qui vient m'aider? Bon. Je t'ai foutu un coup de poing dans la gueule. J'ai plus ma hache. Ah si. Alors, on va manger un petit truc peut-être parce que bon, c'est pas tout mais... ça, qu'est-ce de là-bas? Oh, je l'ai eu! Oh putain, je l'ai eu! J'ai cru qu'il. Je savais pas qu'il était mort. Regardez-moi comment c'est beau! Ah, mais là, en parlant, on peut passer. Et c'est l'entrée de la forêt. Tiens, il y a un chat qui dit coucou. Fais coucou, le chat! Ah, mais là, là-bas, on voit Vendôme. Wouhou! J'évite d'aller dans l'eau parce qu'avec Frostfall. Waouh! C'est joli la vue là. C'est quoi? Un gobe, c'est. On va se mettre comme ça. Il nous a pas vu. Il est bloqué dans le décor! Quel con! Merde. Ça c'est du big fail.
Pourquoi j'arrive pas à la voir là? Blam! Dans la tête! Marvel fucking dans la tête! Regarde-moi cette jolie image là, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça, on est pas dans un joli paysage. Vendôme au fond là-bas. Non, je veux pas être mouillé. Je vais te mouiller, je vais te mouiller, je vais te mouiller. Ah, c'est bon. Je suis sorti de ce pépin là. Je suis le roi du monde. Ma foi, c'est très bien tout ça. Alors, on va se regarder là-dessus. Et on va regarder si ça marche bien au niveau du son.